En cette période de campagne électorale à Montréal, Valérie Plante attaque Denis Coderre sur l'asphalte. Les prix sont encore très, très élevés. On parle même du double si on compare, par exemple, à Toronto. Est-ce qu'elle a raison? On a vérifié. L'asphalte, c'est comme les pommes. Il y en a plusieurs variétés. Les prix peuvent changer d'une semaine à l'autre. Et parfois, c'est plus cher dans un magasin et moins cher dans l'autre. Alors, ce qu'on vous donne, c'est un aperçu des prix à ce moment-ci de l'année en 2017. On a appelé des entrepreneurs dans 5 villes qui vendent des enrobés bitumineux pour le réseau municipal, ce qu'on appelle souvent de l'asphalte. Montréal, entre 66 et 76 $ la tonne métrique. Toronto, entre 71 et 88. Winnipeg, entre 79 et 99 $. Calgary, entre 80 et 110. Ottawa, entre 90 et 135. Quand on parle aux villes, aux spécialistes, aux entreprises, tout le monde nous dit que non, Montréal ne paie pas plus cher. Ce que Valérie Plante cite, ce sont des chiffres de 2014 et de 2015 où on voit que chaque kilomètre de route à Montréal coûte beaucoup plus cher d'entretien qu'ailleurs. Mais ces chiffres-là n'incluent pas seulement le pavage des routes, ça inclut les nids de poules, les fissures, les réparations mineures, même le nettoyage des rues à la grandeur de la ville. Il y a deux raisons pour ça. D'abord, Montréal concède qu'elle est en rattrapage puisque pendant des années, on n'a pas fait tout ce qu'il y avait à faire comme travaux. Et l'autre chose, c'est que Montréal choisit d'amortir ses paiements sur une moins longue période que Toronto, par exemple. Et quand on paie quelque chose plus rapidement, c'est normal que les paiements soient plus élevés. Si vous voulez qu'on vérifie quelque chose, écrivez-nous.